I met the hit, not the problem. I tell the DJ what to play, is it? Depuis 89 que je travaille directement dans le hip-hop avec le groupe IAM. Mon expérience musicale, elle était antérieure dans le sens où j'avais déjà fait partie de quelques groupes principalement de reggae. J'avais aussi fait un peu de raga digital, notamment avec le Massilia. Et donc depuis 89, je suis dans le hip-hop et c'est vrai que je me suis épanoui dans ce genre musical. Mais j'ai quand même gardé une racine dans le reggae, dans le dub, etc. qui sont mes premières amours musicales. Donc pour sortir un peu du cadre du hip-hop, pour me faire plaisir, pour revenir un peu à mes racines musicales, j'ai décidé de faire un album instrumental qui sortirait du cadre strict du hip-hop pour aller vers des musiques telles que le reggae, le dub et d'autres expériences musicales qui n'ont peut-être même pas de nom. J'ai appelé ça Blueprint parce que effectivement en anglais c'est le premier plan de l'architecte, alors donc Imhotep, les pyramides, le plan. C'est un album en devenir qui peut très bien reparaître sous une nouvelle version avec des participations vocales de différentes personnes. Quand on me demande pourquoi le Maroc, c'est vrai qu'il y a la paix, la tranquillité, mais j'aurais pu aussi bien aller en Thaïlande ou dans un désert au Mexique. C'est vrai que mes racines sont pour quelque chose en tant que méditerranéen d'origine espagnole. J'ai forcément eu tendance à vouloir me rapprocher de mes racines et des endroits. Bon, habitant à Marseille en plus, il y a des endroits qui forcément me semblent plus propices à un certain climat et surtout me correspondent mieux. J'aurais aimé aller en Algérie, mais les événements actuels ne m'ont pas vraiment autorisé, m'ont pas vraiment donné envie d'y aller. Le Maroc, eh ben, effectivement, c'est un pays, malgré tout ce qu'on a pu dire sur son régime, sur beaucoup de choses, c'est un pays magnifique. Ça cadrait parfaitement avec le concept de ce disque. C'est vrai que je suis un grand admirateur de musique arabo-andalouse, qu'elle soit d'origine espagnole, marocaine ou même de musique orientale en ce qui concerne l'Égypte, etc. Et c'est pas anodin le choix du Maroc dans ce sens-là. C'est vrai que pour être vraiment dans le bain et pour arriver vraiment à m'extraire de mon univers musical habituel, j'avais besoin de partir dans un pays comme ça.
ambiance sonore et musicale qui permet de se laver les oreilles, d'avoir une qualité de silence et d'ambiance idéale. D'ailleurs, on en trouve quelques traces sur l'album, puisque tous les inserts, qu'ils soient musicaux ou les inserts d'ambiance qu'on trouve sur Blueprint, ont été enregistrés dans les rues des Sawira. Et même si je n'ai pas directement utilisé donc la musique marocaine et la musique nawa en particulier dans la conception des morceaux, même s'il y a quelques échantillons quand même orientaux et de musique arabo-andalouse, on retrouve quand même toute cette ambiance entre les morceaux dans les inserts qui font un peu, je dirais, un fil conducteur tout le long de cet album. Alors, le concept du disque, eh bien, en fait, j'en ai déjà parlé, c'est relativement simple. C'est donc un album d'instrumental qui élargit un peu les frontières de l'instrumental hip-hop, qu'on peut difficilement ranger dans les catégories existantes du genre hip-hop, acid jazz, pour la simple et bonne raison que j'ai pas utilisé de son de synthé, de son synthétique, de son purement électronique. C'est basé à 99,9% sur des échantillons. Donc c'est vraiment un album, je sais pas, peut-être qu'il faudra trouver ou inventer une nouvelle étiquette pour cet album, mais globalement c'est un album d'instrumentaux assez lent avec du reggae, du dub, et les échantillons sont en grande majorité sont des échantillons de musique ethnique. Quand on sort dans la rue à Essaouira, quand on va faire sur un tour sur le port et qu'on va manger un poisson grillé chez les pêcheurs, on décompresse très rapidement. C'est vrai que j'ai ouvert une autre porte, sur un autre public, sur peut-être des gens qui n'auraient pas écouté spontanément un album d'instrumentaux hip-hop. Le public en question, il peut être beaucoup plus large dans le sens où justement il n'y a pas de vocaux, donc il n'y a pas une langue précise.
C'est un album qui peut être apprécié aussi bien par des DJ qui cherchent des sons à échantillonner ou qui cherchent des nouveaux instrumentaux pour les soirées, les clubs, les radios, etc. Ça peut être un disque qui peut être utilisé par des gens qui font un spectacle de danse hip-hop ou pas hip-hop, mais qui ont besoin d'instrumentaux avec quand même des rythmes assez présents pour qu'il y ait des pas rythmiques qui soient élaborés. Ça peut être un disque qui peut être utilisé comme une musique de film, comme illustration d'un documentaire, comme... Disons que c'est quelque chose de beaucoup plus large que simplement un disque d'instrumentaux. Je pense que les gens en auront des utilisations diverses. C'est vrai que l'utilisation du vinyle a été conçue spécifiquement pour les DJ, c'est-à-dire que j'ai pas mis les inserts, j'ai mis uniquement les morceaux en eux-mêmes. On les a fait graver et presser à New York pour avoir vraiment une qualité et une dynamique suffisante pour qu'ils soient joués dans toutes les conditions. En ce qui concerne la partie CD, donc c'est plus construit comme un tout, c'est-à-dire que les morceaux s'enchaînent les uns les autres. Il y a très peu de silence, je crois qu'il y a deux silences dans l'album entier. Sinon, tout le reste, c'est un espèce de voyage, en fait. C'est vraiment une porte ouverte, tant musicalement que géographiquement. Ça peut déboucher sur des univers auxquels on ne s'attendait pas forcément. Je pense que les puristes du hip-hop vont me dire, mais là, tu es parti en couille, tu as dû abuser un peu trop de l'inspiration au Maroc. Mais en fait, non, c'était un vieux désir, c'est un peu mon jardin secret. Allah yidoui ala ulidat al-rida. Allah yikarm al-muhsinin. Allah yifarrach ulad al-rida.